Oh, moi, je suis certaine que je mettrais de trouble là-dedans, mon petit gars. Puis s'il y a des petits gars, je mettrais des petits gars! Ben Kevin, il aimerait ça jouer dans le Big Bazaar parce que revoir la face de Kevin dans TV, ça ferait du bien à Kevin. On m'a dit qu'il y aurait un spa. J'adore les spas. Je pense aussi que je peux être un bon candidat parce que ça fait un siècle que je lis les nouvelles et jamais personne ne m'a vu lire des nouvelles dans un spa. Ça fait serait. Bonsoir, ici Céline Galipo, bouche pointue. Est-ce que quand même on va informer le public que Big Brother est un personnage de fiction du roman 1984 de George Orwell? L'émission s'appelle tout de même Big Brother. Non, ne serait-ce pas important de savoir d'où vient le titre? Autrement, je me verrais bien dans le spa avec P.O. Baudouin. Je suis tellement reconnaissante d'être ici. Ce serait un privilège d'être enfermé dans une maison, me faire insulter, trahir, jouer dans le dos. Je le vois comme une occasion unique de grandir, de me transformer. C'est pas donné à tout le monde, hein, de se faire humilier publiquement devant des centaines de milliers de personnes. C'est une chose que j'ai jamais vécue. Et sans compter le confessionnal, je me vois tellement dans le confessionnal. J'ai tant de choses à confesser, je m'en confesse. Par exemple, à 6 ans, quand je chantais dans les bars en Gaspésie, on me payait souvent avec une ponce de gin. Parce que ça date pas d'hier, hein, que je suis à la télé, je me rappelle, même qu'en 1999, je parlais du bug de l'an 2000. Là, je pourrais parler de ce qui me bug dans la vie. Oh, eh bien, vous savez, ça fait des années que je parle de la réalité à la télé. Je pourrais donc passer de réalité télé à télé-réalité. C'est très witty, ce que je viens de dire. Je suis très witty. Ça vous prend une witty dans vos candidats. Je suis très witty, j'adore le witty. Je suis faite pour le witty. J'aime le witty, j'aime tout ce qui... On a-tu des bons lits dans les chambres? Je suis une queen, mais ça me prend un lit king! Kevin, il se voit dans Big Bandeur. De toute façon, il sort plus nulle part. Fait que aussi bien aller nulle part devant les caméras, t'sais. Je pourrais lire les grands titres des émissions. Ce soir à Big Brother Célébrité, Gina Trono, neck sur le deck. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je brainstorm, j'ai envie de me renouveler. À toi, Colette. Je suis ce qu'on appelle une witty. J'adore les witty. En 1999, je sortais mon album un peu plus haut en spectacle. Là, je pourrais me donner un spectacle et descendre un peu plus bas. Dans Big Butcher, Kevin, il pourrait faire des cocktails pour la gang. Radio-Canada, on me dit la witty. Oh, regarde la witty. Je sais pas si je peux ajouter quelque chose. Non, les auditions sont finies. Merci de me donner cette opportunité. À propos du confessionnal dans l'émission, est-ce que ce serait possible pour moi de toujours être dans le confessionnal? Parce que je vais vous faire un aveu. Quand j'étais petite en Gaspésie, j'adorais aller au confessionnal. Mais pour une raison que j'ignore, le curé a fini par me barrer. Isabelle, nous autres, on va y aller. Oh, Fanoir.